Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo les gars, comme vous avez vu dans le titre et la miniature. Nouvelle vidéo Fortnite, mais pas trop. Enfin un peu les deux quoi. Je vais tester deux souris à deux prix différents. Il y a une aux environs de 20€, entre 15 et 25€, et une souris entre 90 et 100€ qui peut être en promo à 75€. Donc voilà, on va tester sur Fortnite et on va voir si une souris à 20€ peut rivaliser avec une souris à 80€, et voir si ça vaut vraiment le coup d'investir plus de sous dans une souris. Donc ouais, je me suis dit que ce concept pouvait être cool. Si vous aimez bien ce concept là, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à partager la vidéo, les gars, ça ferait super plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo a pu vous aider à choisir entre une souris bas de gamme, moyenne gamme ou haut de gamme. Donc voilà les gars, c'est parti pour la vidéo. 3, 2, 1, let's go. Pour présenter les souris, tout le monde les connaît, les deux souris. De toute façon, ceux qui sont sur mes lives, ils connaissent. La première souris, c'est une Corsair. Je sais plus le nom, mais je vous mets une image ici avec le prix ici. On est autour de 20€. Ça reste comme de la marque, c'est Corsair. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne marque et qui fait le taf. Donc, on va voir si vraiment cette souris peut rivaliser avec la souris à 100€. Voilà, je vous fais un petit tour de cette souris. Deux boutons sur le côté, classique avec du DPI, la molette. Voilà, on sent que c'est du plastoc par contre. Le problème est là. Pour la deuxième souris, les gars, la souris à 100€, c'est. Voilà, tout le monde la connaît aussi, c'est la Final Mouse qui. Les gars, mon accent anglais est comme masterclass. Hein. C'est celle-là, voilà, tout le monde la connaît, elle est hyper légère. Là, on la voit peut-être pas forcément, mais bon, je cache la lumière, on la voit plus comme ça. Voilà, avec des boutons sur le côté, tout ça. La molette, et on sent que c'est du plastique de meilleure qualité, on entend le bruit. Hein. Voilà, mais on va voir si ça le fait. C'est aux alentours, voilà, aux alentours de 95-100€, mais elle est souvent réduite à entre 70-80€. Donc voilà, ça reste quand même un petit coup pour une souris, hein, les gars. Donc bon, les gars, sans plus tarder, on passe sur Fortnite pour tester la première souris Corsair. On se dit let's go, on le lance en MM. Donc les gars, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Donc voilà les gars, on a la souris ici. On voit peut-être pas forcément ma tronche, mais c'est pas grave. On va spawn ici, c'est parti. Voilà, la souris en prise en main, elle est plutôt sympa. Voilà, elle est peut-être un peu petite. Donc pour ceux qui ont des grosses mains, je la conseille pas forcément beaucoup, les gars. Vous voyez, regarde, ma main elle est comme ça. Si je la pose, voilà, elle est pas non plus hyper ergonomique. Mais mis à part ça, en vrai, sinon elle est bien. Elle glisse bien sur le tapis de souris, tout ça. Donc bon. Sinon, au niveau du câble, il est pas gainé ou tressé. C'est juste un fil en plastique tout simpliste. Donc voilà. Après pour 20€, les gars, on peut pas avoir non plus des grande masterclass, hein, donc c'est un peu ça le problème. En vrai, les gars, vous préférez ce format là parce que là on voit pas ma tête, hein. Là on la voit que comme ça ma tête. Non, en vrai, on va prendre ça. Je crois qu'il y a personne en ville en plus. Non, pour pas faire de kill, les gars. Bon, c'est pas, on va prendre des armes tout de suite et on va aller faire des kills directement. Non, en vrai, je vais pas faire choquer. J'utilise la souris depuis comme 2 ans. Je sais à peu près comment elle fonctionne. Bonne souris, je trouve, hein, pour le prix, les gars. C'est difficile de trouver mieux. Celle qui peut la concurrencer éventuellement, c'est la Clim Aim. Mais voilà, les gars, la Clim Aim elle peut éventuellement concurrencer la Corsair. Mais je trouve que c'est la meilleure souris pour le prix, les gars. Y a pas photo, c'est la meilleure, franchement. Sinon, au niveau du poids, non, j'ai pas arrêté tout. J'ai pas parlé du pot tout de suite parce que là je suis dans un mauvais truc. Oh purée. Je suis mort là. Oh. Deuxième tentative, c'est pas. Je suis mort comme un zombie, mes frères, c'est pas possible. Mais je me suis pris la rouille, en fait, ça m'a propulsé de ouf. Non, tant pis, les gars. Ça arrive. Ça doit pas arriver, genre. Oh, tellement pas, mes frères, j'abuse. Non, mais j'ai vraiment trop le seum par contre. Ok, les gars, bon, suite à ma petite chute non prévue, on va vraiment tester la souris pour le coup. Mais ouais, du coup, je disais au niveau du poids, la souris est vachement légère. Parce que du coup, ouais, c'est dû apprécier. Enfin, quoique. Ouais, elle est peut-être un peu lourde. Donc bon, ouais, c'est peut-être un petit point négatif. Mais ouais. Sinon, ouais, y a pas forcément de gros points négatifs à garder dessus. Après, à voir quand on va tirer sur les gens. Surtout en fait le deuxième comparatif qui va être sympa à voir. Parce qu'en fait là on compare la souris, mais moi j'aimerais voir vraiment une vraie comparaison avec l'autre souris. Parce que ça fait pas longtemps que j'utilise la deuxième souris. Donc il y a encore à apprendre dessus. Donc voilà. Pour les gars, let's go, on va partir à la grande ville là. Celle-là. On va voir s'il y a du monde. C'est parti. Pas. Frère, dis pas qu'il y a personne. Il y a deux mecs. Il y a un gars. Ah, il y a du monde. Let's go les gars, on pourra se fight. Ok, on lui a mis un coup, on lui a mis moins 62 je crois. Ok, let's go. Ça va, en vrai de vrai les gars, comme je dis, je peux pas faire choquer parce que la souris c'est quand même la souris que j'ai utilisée pendant un bon moment de ma vie. Donc c'est pas si mal. Y'a un mec qui arrive. Frère, y'a un mec qui me rush. Frère, il est sur moi. Il est où? On le rush, hein, on a rien à faire, hein. Il est là. C'est
C'est pas possible, pas possible. C'est pas grave. Bon les gars, j'ai l'impression que la Battle Royale c'est pas fait pour moi. On part en ranked, c'est parti. Hein. Y a pas de, je sais pas quoi ou quoi. On part en ranked, on va voir si c'est un peu mieux ou pas. Ok les gars, donc bon, j'ai pas forcément fait de bonne game, donc on va en refaire une en ranked. On va un peu plus tryhard parce que là j'ai pas envie de perdre mes pourcents. On va vraiment tester la souris dans des moments de fight. Donc là on peut tester même en edit, voir ce que ça donne un petit peu. Ouais, bon moi c'est pas mal en vrai de vrai, ça prend bien l'edit. Bon les gars, pour 25 gold, vraiment je pense qu'on peut pas trouver mieux. Hein. Enfin dites-moi dans les commentaires si vous avez des souris qui sont peut-être mieux que celles que j'utilise actuellement. Mais là on voit la souris, on voit en même temps. Go les maisons, c'est parti les gars. Et voilà, on va tester la souris dans les vraiment ses hautes performances. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez peut-être des souris qui sont peut-être un peu mieux au niveau du prix, rapport qualité-prix. Peut-être à la clé ici en vrai de vrai. En plus on peut quand même voir vraiment qu'elle est vraiment toute petite hein, les gars. Hein. La souris, donc ça c'est peut-être un peu chiant mais bon. Ah, non, je suis trop bas. Oh ouais, quel con. Les gars, je suis trop bête. Ouais, j'ai fait un spot de merde. Ah les gars, j'ai pas fait le pro là. Y'a un mec là, les gars, à gauche. Ok, oh, let's go. Mec, on a arrière pompe, let's go. Bah, mec, mais c'est... Wesh, j'ai jamais vu ça toute ma vie, frère. Le mec est où? Y'a un mec qui est là, on va essayer de le chop si je pars de ce côté là. Il va peut-être pas me chop. En vrai, est-ce que vous aimez bien cette POV? Ok, c'est pas forcément la meilleure cam parce que j'ai pas de cam, mais voilà, on voit un peu la souris. Elle est pas forcément très jolie parce qu'elle est juste avec un noir, mais il y a un petit peu d'RGB. Non, franchement, les gars, pour. Y'a un mec là, d'accord, je l'ai vu. Non, en vrai, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être niveau edit, voilà, on est plutôt bien, je pense que. Bon, après, c'est peut-être ce que j'ai dit mal, mais hop, ouais. Bah ouais, je pense que c'est bien, ouais, les gars. Et c'est parti. Il est où? J'ai flamme ma grenade, les gars. Je sais pas du tout où est le mec, hein, les gars. Attends, mais ça, c'est incroyable. Le mec, il doit faire tellement de dégâts. Tac, tac, on va prendre ça. Ok, bah, on prend les grenades, let's go. Je pense qu'il va plutôt... Ah, il est là-bas. Je l'ai vu, les gars, dans la maison. Ok, ouais, il a pas l'air de vouloir me rush, hein, les gars. Non, bah, en vrai de vrai, bon, c'est pas non plus hyper fluide. T'as l'impression que tu joues encore sur du 120 et tout. Oh, ok, on prend ça. Il m'a tué avec quoi, frère? Frère, il a fait 2 kills normal, frère, ça lui signe. Mec, il m'avait une balle, mais j'ai même pas eu le temps de le tuer, gros. J'ai même pas eu le temps de le toucher, genre. Mais what the fuck, c'est pas grave, bon, c'est pas grave. Bon les gars, c'est pas grave, on a quand même pu voir un peu le test de cette souris. Donc voilà, les points positifs, c'est que voilà, pour le prix, elle a comme un bon capteur. C'est pas un capteur rouge, c'est vraiment un capteur, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un bon capteur. Il y a du poids quand même par rapport à la souris. Le plastique, voilà, je sens que c'est vite cassable, donc les gars, si vous êtes rageux, prenez pas cette souris. Voilà, elle est pas très ergonomique, voilà. Regardez, voilà, mes mains, j'ai pas des mains de titan, donc voilà. Alors, contrairement à la souris qu'on a testé, bah, il y a une différence. Donc bon, belle transition. Les gars, on va partir pour le test de la Funnel Mouse. Hello everyone. J'ai un peu hâte de la tester en vrai de vrai les gars. Donc on va la brancher tout de suite. La souris est magnifique hein. La souris est magnifique. Donc franchement les gars, on peut rien lui dire. Donc, du coup les gars, au niveau des connectiques, ça donne ça. Voilà, la souris se présente de ce style là, très légère avec plein de trous. Le but des trous, bah, c'est que ça allège la souris. Au niveau de, voilà, du câble, on est sur un câble tressé, vachement cool. On sent que le plastique est beaucoup plus dur. Si je mets le micro à côté, voilà, et si je mets l'autre à côté, voilà, on voit que c'est pas non plus la même gamme. Donc voilà, rien à dire de plus, bouton sur le côté, enfin c'est le même principe que l'autre souris. Donc on est parti tester ça. Et je vous dis, on part en game les copains. En vrai de vrai les gars, on sent peut-être une petite fluidité au niveau de l'écran. Genre là, juste à brancher la souris, je sens déjà une plus grosse fluidité. Donc est-ce que c'est psychologique ou pas, parce que je sais qu'elle est plus chère, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sent vraiment qu'elle est beaucoup plus quali. Même au niveau de la prise en main, voilà, elle dépasse pas, comme vous pouvez le voir, elle dépasse pas. Alors si je prends l'autre, elle dépasse. Au niveau de l'ergonomie, les gars, pour ceux qui sont plus grands ou ceux qui ont des grandes mains, donc voilà, je vous la conseille fortement. Ça fait pas longtemps que j'ai cette souris, donc bon, je peux pas porter un avis dessus tout de suite. En rentrant du lobby, ok, on voit direct une petite différence du produit. Genre, en mode, les gars, tu cliques et tu sens qu'il n'y a pas de vibration et tout au niveau de la souris. Genre là, il y a vraiment une ergonomie, tu sens que tes doigts touchent pas le tapis de souris et je trouve ça plutôt sympa. T'as l'impression, genre, t'as juste ta main et en fait, tu te balades. C'est très bizarre comme sensation. Genre, en fait, les gars, comment vous dire que la souris, elle fait vraiment. La boîte, je l'ai là, elle fait vraiment 68 grammes. 68 grammes, c'est rien du tout, genre. Hop, ouais, mais c'est bien, hein. Ok, donc on va spawn nous, les gars. On peut spawn. Moi, je me dis un petit Pleasant Plaza. Allez, let's go. On va pas beaucoup à cette ville-là. Et ça change un petit peu. En vrai de vrai, ça peut peut-être faire un peu peur le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de trous. Parce que t'as l'impression que c'est vite cassable. Mais j'ai l'impression que le plastique est bien résistant quand même. Et que la souris est bien foutue pour pas qu'elle se casse, en fait. Donc, en vrai, c'est peut-être une petite peur qu'il faudrait pas que j'ai. Genre, tu te dis, la souris, elle a plein de trous. Ok, c'est cool, elle est légère. Mais en vrai, tu peux te dire que ça se casse facilement. Donc, c'est ça, peut-être qu'un.
qui est un peu relou. Mais non, en vrai, ça a l'air de le faire, ouais. Mais je vous dis, capteur parfait. C'est un peu, je crois que c'est le même principe que le capteur de la Corsair. Donc bon. Est-ce que pour le prix, ça vaut le coup de changer quoi? Oh les gars, on sent que la fluidité c'est pas la même. Hein. Celle-là est large mieux. Hein. On sent que c'est large mieux, même au niveau de la qualité des touches, hein, genre vraiment. Ok, gars, premier kill ou pas? Ok, gars, premier kill de la vidéo, let's go! Ok, non, en vrai, de vrai, les gars, moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup. Enfin, je trouve que la souris est beaucoup mieux. Hein. Ah, le prix, est-ce que le prix vaut. Je dirais pas, peut-être pas jusque-là. Genre, il y a quand même un bon 50€ d'écart. Et ouais, tout le monde sait que 50€ c'est énorme. Mais voilà, pour ceux qui ont du budget et qui veulent vraiment une bonne souris, je pense que ça peut se tenter. Et voilà, pour ceux qui veulent passer vraiment sur du haut de gamme et avoir un setup quali de ouf en fait. Alors, on va prendre ça, nickel. Alors, les gars, un bon stuff là. On va plus se mettre. On va se mettre bien. Ok, nickel. On va prendre le pad. On va rush. Let's go. Allez, on va partir dans quelle ville? Restorage. 100%, il y a un mec, les gars. 100%, vraiment. Ok, gars. Les gars, j'ai pas vu. Les gars, on va tester la souris. Les gars, je vous dis, regardez, on va tester au niveau de l'edit. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Après, c'est peut-être moi qui est fort, ouais. Mais en vrai, gars, ça peut être bien. Si vous voulez une bonne souris, prenez-la. Il y a un mec là-bas, les gars. Vous l'avez vu, hein. Ok, 34. Ça tient bien de taper de souris. On va le rush. Allez, viens là, petit. Viens là. N'aie pas peur. J'arrive, les copains. Mais ouais, partez pas. Partez pas, je suis là. Ok, le chien. Il m'a niqué. Il y a le mec au-dessus, là. J'aurais un snap, j'aurais mis un 200. 27, 54. Je le rush. Je lâche pas lui. Ah, il m'a mis une 240 avec un truc comme ça, gros. C'est une dinguerie. Oh non, les gars, j'ai le seum de finir sur ça, mec. Vraiment, j'ai tellement la haine. Non, en vrai, les gars, je pense pas refaire une game. Voilà, je sais que moi j'aurais voulu faire un petit top 1 pour la vidéo, comme à chaque fois. Et voilà, je voulais vraiment faire une conclusion pour ceux voilà, pour ceux qui vraiment se posent la question si une souris à 20-25€ et une souris à 90-100€ a vraiment une différence. Alors, de mon point de vue, je sens qu'il y a quand même une différence au niveau de la qualité, de la prise en main, tout ça. Mais sinon, voilà, pour ceux qui veulent commencer Fortnite, comme je dis, ou bien même avoir juste un niveau convenable et pas forcément être pro, cette souris-là fera vraiment le taf. Hein. Genre, les gars, vous cassez pas la tête à payer 100 balles une souris. Si vous pouvez économiser ou prendre cette souris-là, c'est super. C'est en plus de la marque, c'est Corsair, tout le monde sait la qualité de Corsair. Je vous conseille fortement cette souris. Cependant, ceux qui veulent passer à un grade supérieur ou même juste dans la beauté du setup, avoir un produit de qualité, définition super cool, et voilà, ou ceux qui veulent juste avoir un niveau exceptionnel sur Fortnite, cette souris est faite pour vous, hein, les gars. 68 grammes, c'est plus léger qu'une patte en elle-même. À conseiller aussi, après à voir avec le temps si c'est pas trop fragile, donc à me suivre sur mes lives. Si je peux attribuer une note à chacune de ces souris par rapport à leur qualité prix, celle-là je lui mettrais un 7 sur 10. Voilà. Le fait d'avoir. C'est le. On va pas tout avoir, le câble en plastique qui est pas forcément gainé. Voilà, ça c'est peut-être les points négatifs de la souris. Voilà, 7 sur 10 pour cette souris, mais les points positifs, voilà, c'est qu'il y a quand même un capteur pas rouge. C'est un bon capteur pour gamer. Il y a des bons patins au niveau de la souris. Voilà, et ça reste une souris qui est assez compacte et tout. Voilà, ça mange pas de pain sur le tapis de souris, donc c'est nickel. Au niveau des points positifs de cette souris, capteur nickel. Le poids, les gars, c'est, on a l'impression de rien avoir dans la main. On a l'impression qu'on joue comme ça sans rien dedans. C'est super. Elle est jolie. Voilà, les LED sont bien. Sont plutôt bien foutus, si je peux vous montrer comme ça. Ouais, les LED sont plutôt bien foutus. Point négatif, c'est la durabilité. Parce que moi j'ai l'impression que voilà, si imagine tu bois du coca et tout, t'en renverses un tout petit peu, bah, ça rentre dans le système et c'est mort. Ça c'est mort. Donc pour ceux qui sont gourmands et ceux qui en foutent partout, voilà, c'est fini. Bon les gars, cette vidéo touche à sa fin. Je suis désolé pour le top 1, mais voilà, c'était pas forcément le but de la vidéo. C'est vraiment faire un comparatif des deux souris, voir si laquelle valait le coup pour le prix en fait. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à commenter la vidéo, les gars, ça ferait super plaisir. Et voilà, si vous avez surkiffé, bah n'hésitez pas à la partager à vos potes. Donc voyez voilà. En route vers 2K les gars, je compte sur vous. Et puis voilà. À dimanche, 16h ou 14h pour une nouvelle vidéo, les gars. On se revoit très vite, l'équipe. Gros zoubi. A plus, les gars!